Avez-vous vu ce que j'ai vu? Ah mais j'hallucine ou quoi? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Tubone. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Ah, quand vous abonnez, il y a une cloche à côté. Cliquez sur la cloche. Veillez à ce que vous recevez toutes les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Parce que ce que nous allons même voir ici, c'est pas du jeu, c'est pas pour les enfants. Ah, wow. Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez au génie? Vous croyez, est-ce que vous croyez à l'existence des génies? Mais bien sûr que oui! Ça veut dire que vous savez que les démons existent. Les anges aussi existent. Et ils ont des pouvoirs hors du commun. Ici, ce que nous allons voir, c'est pas réel, c'est vraiment pas humain. Ah! Comment un homme peut-il s'asseoir dans le feu? Juste comme ça, il y a un truc derrière. Si vous pensez que c'est la blague, suivez-nous, il y a des mystères qui arrivent. On va au studio maintenant, soyez prêts. Si vous savez que vous avez peur du feu, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Bon, parce que ce que nous allons voir ici, vraiment, c'est vraiment mystérieux. Ok. Si vous êtes abonné, que vous avez partagé cette vidéo, c'est extraordinaire. Sinon, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Et nous avons trois autres chaînes. Cliquez sur YouTube, laissez pas d'accueil. Abonnez-vous sur nos trois autres chaînes. Bien sûr, vous devez sur 23 et je vais me taper à voir ça. Est-ce que tu as déjà touché au feu? Est-ce que vous avez déjà touché au feu? Est-ce que vous avez déjà touché au feu? Mais... bon, j'étais à côté. Regardez ça. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non. Regardez bien. Comme vous le voyez, on voit clairement quelque chose d'incroyable ici. Un homme ici, regardez, il est assis dans le feu. Quoi? Sérieux? Et regardez comment le feu est devenu après, ça a commencé à le consumer juste comme ça. Ouh! Et ça ne lui faisait rien. Et les gens qui sont derrière là, ils étaient là tranquillement. Et ils ont commencé à filmer la scène. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Vous pouvez penser que c'est ta blague. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Ce sont des choses que les gens ont été faits pour essayer de vous faire peur. Ah, ce sont des histoires. Il n'y a pas de souci. Ce sont des histoires. Il n'y a pas de souci. Soyez prêts, vous allez voir quelque chose. Avant d'aller jusqu'à là, nous allons montrer un petit truc. Voici le jeu des jeunes sur Internet. Regardez le jeu. Est-ce que vous avez vu? Regardez. Regardez son jeu. Waouh! Il veut nous montrer qu'il crache du feu, quoi. C'est un grand risque. Moi, il y a un frère qui faisait ça. Il prend du... Est-ce que vous savez comment ils font? Il prend du pétrole, il met juste dans sa bouche, et il commence à faire des trucs. Vous voyez? Ça même, c'est même facile. Tout le monde peut faire ça. Genre, tu mets du pétrole, et puis tu allumes du briquet, c'est genre de choses. Ne faites jamais ça chez vous. Ça peut tourner mal, hein. Ce sont des trucs qui sont vraiment dangereux. Faites attention. Maintenant, ça c'était juste pour vous montrer combien de fois c'est dangereux d'avoir le feu sur soi. Même de toucher le feu. Ah! Maintenant, regardez ce que nous sommes en train de vous dire. Si vous avez cru que c'est des histoires, vous serez même surpris parce que vous allez le voir. C'est parti. Regardez les gens ici. Les gens sont tranquillement arrêtés là. En train de regarder un truc terrible. C'est un mystère. Que se passe-t-il là? Regardez ça. Un homme assis carrément dans le feu ici et il est observé. Mais qu'est-il en train de faire? Est-ce un rituel? Regardez bien. Comme vous le voyez, juste en dessous se trouvent des braises de feu. Et il va se mettre là. Ouh! Qui l'aurait cru? Regardez ça. Ouh, est-ce que vous voyez? Et les gens sont écrits, ils sont même en train d'applaudir. Ça, c'est vraiment étrangissime. Apparemment, ils ne se consument pas par le feu. Hein. Mais, où est-il? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Est-ce que c'est un ami du feu? Est-ce un démon? Regardez très bien.
Comme le voyez, c'est pas de la blague. Ce n'est pas la histoire. Vous voyez le feu, regardez le feu. Regardez. Alors, que lui-même, je suis un peu le feu, il est revenu un peu à rien. Là, là, le feu est tenté de monter. Ah! Vous voyez, là, il est dans le feu. Hein. Ah! Mais pourquoi que ça veut commencer à te brûler là, tu fuis? Bon, regardez bien. Ça, c'est quand même bizarre. Peut-être qu'il a porté une combinaison, un vêtement qui lui permet de résister au feu à peut-être un certain moment. Sinon, s'il reste longtemps sur le feu, peut-être ça risque de le consumer entièrement. Peut-être c'est un truc pareil et il essaie de nous blaguer un peu. Qu'en pensez-vous? Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai déjà vu le feu s'est déplacé dans la forêt sans consumer les arbres, hein. Ni rien. Ça, c'est une chose mystérieuse. Comme vous le voyez, le vêtement qu'il a porté tout au moins tout son corps, sa tête et tout ça. Mais regardez là, on a l'impression que le gamin ne devait pas être consumé. Moi-même, je pense que c'est juste là pour rigoler, hein, les gens, juste pour nous blaguer, hein, sur ça. Comment pouvez-vous expliquer ça? J'espère que vous êtes d'accord. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo aussi. Pour qu'il y ait plusieurs réactions. Voici. Il y a des personnes qui rassemblent plein de personnes. Maintenant, dites-moi. Si ce gars-là, ce qu'il a fait, c'est du fake, pourquoi les gens vont-ils venir s'arrêter juste là pour le regarder? Waouh! Comme vous le voyez, ils sont même chauds. Et regardez la scène. Voici où ça a commencé. Regardez bien. Comme vous regardez bien, il a porté un vêtement qui couvre carrément tout son corps, une combinaison qui coupe tout son corps. Je ne sais pas quelle est la matière qu'ils ont utilisée pour fabriquer le vêtement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est d'abord assis sur le feu là. Là, le feu est allumé. Hein? Mais et il se lève à un moment donné. Il met son pied dans le feu. Lui-même s'arrête quand même dans le feu. Hein? Il danse dans le feu. Ah, ça c'est quand même étonnant quand même, hein. Regardez bien. Il donne le feu et le feu s'allume. Il est même arrêté dedans encore. Il est même toujours arrêté, peut-être que ça brûle. Et ça brûle encore. Waouh, ça c'est une chose un peu mystique quand même. Un peu mystérieux. Waouh. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de vous préparer pour la prochaine vidéo qui arrive maintenant. C'est chaud. Ça va être hors du commun. Waouh. Ça, c'est ce qu'on appelle les mystères d'Afrique. Ce sont les mystères d'Afrique. Ce sont les mystères d'Afrique. Il y a tout le truc hors du commun ici. Tout hors du commun dans le monde. Ah. Regardez bien comment les gens inventent les portables. Les portables haut de gamme, oh les technologies, je ne sais pas comment ils s'arrêtent pour voir ça. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le truc qu'il vient de faire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Apparemment, c'est un truc mystérieux quand même. Hein? Que va se pousser dans le feu comme ça, juste pour saluer ses voisins du quartier? Ah, quel est ton problème? Tu as tout fait jusqu'à ce que dans le feu, tu viens d'asseoir pour impressionner les gens. Parfois, mais ce sont des choses inutiles. Qu'en pensez-vous? Partagez cette vidéo, abonnez-vous et dites-nous ce que vous pensez. Ça nous intéresse. N'oubliez pas que nous avons trois chaînes. Cliquez sur ce bouton. Ça pas d'accord. Abonnez-vous sur nos trois chaînes. Activez la cloche, c'est très important. Et regardez la vidéo qui est située à apparaître ici en attendant que la prochaine vidéo apparaisse dans peu de temps. Nous travaillons dur pour vous montrer les choses que vous n'avez jamais vues. Bon, pour la prochaine vidéo, c'est parti.